Est-ce que les hommes aiment les femmes qui ont beaucoup, beaucoup de maquillage, les femmes très maquillées? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Et dans cette vidéo, je vais vous parler sans tabou de ce sujet qui est le maquillage chez les femmes. Pourquoi je parle de tabou? Parce qu'il y a des lobbies, il y a beaucoup de business autour du maquillage. Paradoxalement, beaucoup de plus en plus de femmes se maquillent. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont des conseils, des tutos make-up, machin. Et les hommes disent de plus en plus qu'ils aiment les femmes naturelles. Les hommes autour de moi, tu les écoutes, ils te disent « Moi, une meuf qui est maquillée à la truelle, non, j'en veux pas. Un camion, c'est une voiture volée. Maquillée comme une voiture volée, on dit… » Voilà. Donc non, ça, évidemment, c'est assez paradoxal, cette mode de tuto maquillage pour les femmes, etc. C'est quelque part cette injonction à se maquiller. Et d'un autre côté, les hommes qui disent qu'ils n'aiment pas trop les filles maquillées. Qu'est-ce qu'il faut en penser? La première chose, les amis, c'est est-ce que… En fait, la peur d'un homme, c'est de se réveiller auprès d'une fille qui, quand elle sera démaquillée le matin, ne ressemblait pas du tout à la fille qu'il a ramenée la veille. C'est-à-dire que tellement elle était sexy avec du maquillage, en fait, dessous, elle était moche. Ça, c'est vraiment la peur du mec. Donc, effectivement, il va toujours te dire une fille ultra maquillée, non, je veux pas. En plus, elle va t'en mettre partout, elle va te faire des marques partout de rouge à lèvres, va te mettre du fond de teint sur les draps, elle va de ci, elle va de ça. Donc, pour moi, c'est acté qu'une fille qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maquillage, c'est non. Sauf si, voilà, effectivement, elle a des gros problèmes de peau et dessous, elle a beaucoup de boutons et ça non plus, c'est pas très attirant. Donc, dans ce cas-là, on va préférer une fille qui met du fond de teint. C'est-à-dire que si vous êtes… Il y a des filles qui sont déjà très bien de base, elles ont une peau bien, voilà, mais elles se maquillent parce qu'elles n'ont pas trop confiance en elles. Au fond, elles ont une assez basse estime d'elles et elles se cachent derrière le maquillage. Donc, ça non. Si vous avez déjà objectivement demandé autour de vous une peau correcte, voilà, ça ne sert à rien d'en mettre une tonne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre, vous pouvez en mettre un peu. Moi, je me rappelle à plus basse échelle, une fille que j'avais rencontrée, d'ailleurs, je suis un peu sorti avec elle, elle avait des sourcils hyper fins, et du coup, elle se mettait du crayon dessus pour avoir des beaux sourcils noirs. Et le fait est qu'elle avait des beaux sourcils noirs, mais qu'un matin, je n'avais pas fait… Tu vois, c'est pas le genre de truc que tu vois toujours consciemment. Et un matin, par contre, je mets l'œil dessus et je dis « Putain, mais t'as plus de sourcils. » Enfin, tu vois, truc hyper déplacé en plus. Enfin, j'étais surpris, quoi. Et la meuf, elle m'explique que non, elle était sans maquillage, machin et tout. Et c'est un truc qui m'a un peu gêné, tu vois, de me dire, mais alors pendant tout ce temps, j'ai cru qu'elle était… Voilà, et puis en fait, pas de sourcils, la fille, presque. Voilà, après, ça ne me gênerait pas de sortir avec elle. Ça, c'est fini pour d'autres raisons, cette histoire. L'idée, c'est que, de toute façon, nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est déjà qu'elle ait un peu de maquillage, mais pas trop. Un peu, c'est bien, c'est féminin, c'est de l'énergie féminine. Se maquiller, se faire belle, on aime qu'une fille se parle d'elle pour nous. Donc, maquillez-vous bien pour mettre en valeur vos yeux, légèrement, légèrement. Et il y a beaucoup de femmes qui croient que c'est pas sexy, un peu de maquillage qui coule, un peu, tu vois, le noir des yeux, l'eyeliner, je crois, qui coule. Quand on a fait l'amour et tout, qu'elle a un peu transpiré. En fait, on trouve ça hyper… Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça hyper sauvage, hyper sexy. Ça me plaît beaucoup. Je dis pas qu'il faut le garder, mais là, sur le moment, c'est vraiment hyper sexy. Donc, faut pas avoir honte de ça. Des fois, des femmes se maquillent trop propres, trop… Et du coup, elles sont mieux au naturel. Donc, voilà, il y a vraiment des écueils. Dans la plupart du temps, les hommes vont aimer les femmes un peu maquillées, mais pas trop. Pourquoi? Ben parce que quand même, le maquillage, c'est… Vous allez dire, oui, il y a des guerriers qui se maquillaient, des guerriers hommes, effectivement. Mais aujourd'hui, dans notre société et tout, c'est beaucoup énergie féminine de se maquiller. Et en plus, vous avez la possibilité d'un outil qui vous rend plus belle. Donc, utilisez-le, mais pas comme une excuse pour vous cacher derrière une couche comme un masque. Non, ça non. Mais juste un peu de maquillage. Donc, est-ce que les hommes aiment les femmes maquillées? Oui. Est-ce que les hommes aiment les femmes maquillées à outrance? Non. Est-ce que les hommes aiment les femmes pas maquillées du tout? Parce qu'il y a aussi la mode du 100% naturel, ça va un peu avec les poils sous les bras, les nos bras, etc. Oui, on peut trouver une fille jolie sans maquillage. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui, maquillées ou pas maquillées, bon, ça intensifie vaguement les yeux et la bouche, mais ça change pas grand-chose. Donc, dans ce cas-là, on va s'en foutre. Mais il y a des filles qui sont vraiment vachement mieux avec un petit peu de maquillage. Et dans ce cas-là, pourquoi s'en priver, tu vois? Pourquoi s'en priver au nom de je sais pas? C'est pas une injonction au maquillage, hein, vous faites comme vous voulez. Mais si vous voulez avoir plus de succès avec les hommes, je pense que c'est dommage de se priver d'un outil comme ça.
Voilà les amis pour mon avis sur est-ce que les hommes aiment les femmes maquillées. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Je suis très actif sur Instagram. Rejoindre le groupe privé sur Facebook. Tous les liens sont dans la description. Et télécharger votre e-book gratuit, une petite formation. Comment exciter les hommes sans avoir l'air d'une fille facile. Comment exciter les hommes l'air de rien. C'est dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.